Si vous avez besoin de faire une recherche dans, vous ne savez pas comment fonctionne quelque chose en Teams, vous avez des questions, vous pouvez toujours utiliser la barre oblique aide. Ici, vous voyez déjà là. Ce que ça me permet d'avoir, c'est l'aide de Teams à l'intérieur de la plateforme. Donc, je peux venir ici sélectionner l'aide dont j'aurais besoin. Ça peut être pratique d'avoir accès à un soutien rapidement de cette manière-là.